Bonjour à tous, c'est Vlog Cycling, petite vidéo informative pour vous parler d'un petit problème que j'ai depuis quelques jours. J'ai acheté il y a 2 semaines un micro de la marque Rode NT-USB, un tout bon micro à 150 euros. Et malheureusement, il y a quelques jours, je l'ai fait tomber et depuis, il y a un léger bruit de fond qu'il n'y avait pas avant. Vous le comprenez bien, je n'ai pas du tout l'intention de changer de micro vu le prix que j'ai mis pour l'acheter. Et je n'ai pas su régler le problème, je pensais pouvoir enlever le bruit de fond avec Audacity, mais cela ne marche pas et j'ai même essayé avec Sony Vegas. Mais rien à faire. Pour moi, le bruit de fond n'est pas dérangeant, mais dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si le bruit de fond vous dérange. Si c'est le cas, j'arrêterai tout simplement les vidéos narratives, mais ce serait extrêmement dommage. Je vais publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook et sur les différentes pages Facebook dédiées aux pubs YouTube. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dans la semaine, le 7e épisode de ma série My Holidays in Italy sera disponible sur ma chaîne et il y aura également le 3e épisode de ma série Au cœur des courses et également le 9e épisode de ma série Philippe Gilbert is World to the Glory qui sera disponible sur ma chaîne vendredi prochain à 17h30. Portez-vous bien et à très bientôt. Ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt.